Rachel. Amélinaki, je suis Elina. Je suis Amélia. On est des sisters. Aujourd'hui, on va faire du slime en utilisant que des ingrédients roses. Car c'est l'une de nos couleurs préférées. Suivez-nous, c'est parti. Les règles du jeu. On a cette poche magique et rose. Chacune à son tour, on va sortir un ingrédient rose. Pour faire du slime. Il faudra qu'on le mette dans notre pot et le transformer en slime. Et le but du jeu, c'est d'avoir le plus beau et slime rose. C'est bon? Allez, maintenant on fait Chifoumi. Chifoumi. C'était des pouces bleus. Chifoumi. Allez. En trois. Non, un. C'est bon. C'est moi qui pioche. Tout à coup. Un, deux. J'ai choisi une colle rose pailletée. Une colle rose, c'est fluo. C'est vraiment tout néon. Bon, deuxième round. C'est moi qui pioche. La colle rose pastel. Moi j'ai la colle rose néon. Néon. Oh, c'est vraiment c'est trop beau. Regarde, c'est de l'art. C'est trop beau. C'est surtout rose, mais avec des nuances différentes. J'adore la couleur rose. Bon. Même on a mis des affaires roses pour cette vidéo. Allez, je pioche. Maintenant, c'est le troisième round. Tu peux piocher. J'ai de la colle rose pastel, comme toi. J'ai de la colle rose transparent. C'est hyper beau. Avec des différentes nuances. Trop beau. C'est hyper magnifique. On dirait que le néon, il est transparent. Voilà. Oh, c'est trop beau. Trop beau. Ça fait ça. Ça fait de l'art. Est-ce qu'Amel, on aura des ingrédients bizarres? Je sais pas. Bon, on va regarder. Et maintenant, quatrième round. C'est à ton tour. C'est à mon tour de piocher. J'ai cru que j'avais pris... Bon, liquide. J'ai cru que j'avais pris deux choses en même temps. Ça, c'est un ingrédient, on va dire, étrange. Pour le slime. Il y en a tout. Et j'ai aussi des savons liquides rose. La mousse. Oh, j'aime trop la mousse. C'est rose, c'est un peu rose clair. C'est du liquide rose qui se transforme en mousse et qui devient clair. Bon, rose, il devient plus clair. Regardez. Et maintenant, cinquième round. Cinquième. Cinquième. Alors, j'ai de la colle rose transparent. Et moi, j'ai de la colle transparente. Aussi. Amélie, faire gaffe, hein. T'es mal droite. Du coup, t'as du slime dans le... Et là. Comme ça glisse, j'arrive pas à l'ouvrir. T'as pas le slime, t'as des ingrédients. Encore. Mais ça glisse, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah, moi, je peux pas mettre mes mains dedans. Non. Qu'est-ce que tu fais? Je
j'arrive pas maintenant. Mais si, j'essaie d'ouvrir fort. Bah voilà. Ouais. Non mais non, ma mère. Une petite pause technique pour se laver les mains. C'est bon? Dixième round! C'est toi qui. Qui cache? De la colle, comme ça. On va pas voir si la colle elle est rose transparente ou rose néon à cause de la boîte. Et moi j'ai eu la peinture plus rose. Côté. C'est vraiment néon. Wow. Mon pot. La colle. Ah oui, rose transparent du coup. Septième round. C'est toi qui prends. Yes. Des grosses billes. Rose. J'aime pas. J'espère que mon thème sera plus beau que le tien. Parce que, tu sais pourquoi? Parce que j'ai des paillettes. Et toi, tu en as pas. Mais bientôt. Peut-être qu'il y aura des paillettes après. On va voir si tu vas les avoir. C'est moi. C'est bon? Bah même, tu mets tout, non? Tu veux pas? Non, j'aime pas. Huitième round. Huitième. J'aurais jamais pu imaginer qu'on avait telle quantité d'ingrédients roses. En plus, c'est pas fini. C'est à moi. Le cacher. C'est du shampoing rose. On sait pas si dedans c'est rose. Attends tout. J'ai eu du gel douche rose. Ça sent très bien. C'est rose. C'est rose. Transparent. C'est facile. C'est rose. Maintenant, je fais une bouche au chien. C'est trop. Neuvième round. Neuvième ou dixième round. On se rappelle plus. Tous ces ingrédients roses, ça nous fait devenir fous. Ça vous fait 1, 2, 3. Oh, des nounours roses. Des M&M's roses. C'est des tout. Voilà comment ils sont. Voilà, bien. C'est à ton tour, allez, pioche. Dixième ou onzième round, c'est pas. Des éponges roses en forme de cœur. J'aime pas. J'aime pas, non. J'en ai qu'une. J'ai des squishy roses. J'aime pas. Voilà, je n'ai plus ça. J'aime pas ça. Prochaine round. Ah, c'est à mon tour. Ah si. Des petites lèvres. Des paillettes. Oh. Je t'avais dit. Moi j'ai beaucoup de décorations. C'est mon cœur, les paillettes. Il en reste encore dedans. Ok. C'est tout. Ah non, c'est moi. Qui cache? Oh, trop beau! Des feuilles d'or. Rose. Ah, c'est des petites pépites roses. C'est, on va dire des paillettes. Des longues paillettes. C'est trop beau. Waouh. Oh,
Oh, c'est vraiment girly. Et très très beau. Regardez. C'est à mon tour. Hein. Des paillettes roses. Ah oui. Mais il n'y a plus rien. Ah si. C'est quoi? C'est des paillettes. Ah, c'est ce que je viens de mettre en plus clair. Non, le tien c'est plus foncé, le mien c'est plus clair. Ça. Ah là, ça va être super. Avant-dernière round. C'est bon? Non, c'est bon. Un, deux, trois. Oh, yes! La pâte rose. C'est clair. C'est un tout court? Oui. Ah, désolé, bon, c'est pas grave. Mais non, j'ai envie d'aller chercher. Allez. Je le rajoute tout de suite ou après? Non. Je pense que non, tout de suite. C'est du liquide vaisselle. Oh, j'aime trop la matière. J'ai trop envie que vous touchiez cette matière. Rien, j'ai rien fait. Ok. Oui, je vais toucher, j'adore cette. Après, on va les rajouter à la fin du slime. C'est bon, à la fin, quand on va le transformer en slime. Maintenant, on va mélanger nos beaux ingrédients tout roses. Et le cœur, il reste au milieu. Le cœur, il reste au milieu. C'est hyper beau. Alors là, je sais que mon slime sera très néon. Et très rose. Mettez des pouces bleus, on va dire 50 000. C'est choquant. Et on va savoir que ça vous plaît ce concept et que vous voulez une deuxième partie avec une autre couleur d'ingrédients. Oui, mais quand il fait que remonter rien, je l'enfonce là, alors on ne le voit plus. Et là, il est là. Et maintenant, le borax. Ben, je pensais que c'était le dernier round, donc le dernier round, c'est le borax. Borax qui est rose, ni transparent, mais rose. On a trouvé du borax rose. C'est trop beau. On dirait du sirop. Ah, si c'est du sirop, je vois. C'est magique. Magie de slime. Alors, grâce à la pâte, mon slime est devenu néon clair. Alors, il y a une grosse différence entre le slime d'Amélia et le mien. À cause de la mousse, ça m'a fait un fluffy. On va dire que c'est fluffy. Alors la différence c'est que le sien on va dire qu'il est plus pastel avec plus de paillettes et le mien il est néon clair avec quelques petites paillettes et beaucoup de décorations. Regardez, j'avais mis un cœur dedans dans le slime et là regardez. C'est bon, il n'y a plus de slime dessus. Et maintenant je vais faire des grosses bulles. Alors, mon slime fait des grosses bulles. Il se tire super bien. Il y a beaucoup, beaucoup de paillettes. Il est fluffy. Et j'adore comment ça fait des... Comment ça fait des bruits. Comment ça fait des craques. Et alors, mon slime a beaucoup de décorations. Il fait, on va dire, des bulles. Il est magnifique parce qu'il est rose, néon, néon, et j'adore le rose. Il est hyper grand. Il est tout doux à toucher. Et aussi, tout doux. Et aussi, ça fait des massages parce qu'il y a des billes sur le slime des nains. J'ai compris en fait comment tu et je le lève et après en fait c'est la même chose.
Pour remarquer, c'est la même chose. Ah voilà, ça m'a arrêté. On fait ça et deux. J'avais déjà un slime de la même couleur et crunchy aussi. Là, on les tire juste, ok? Oh. Ouais. Ça fait des bruits à cause des billes. Là, ça fait des nounours. Ah oui, ouais. Et ton slime, tu penses pas? Je préfère le tien. Mais le tien aussi, il est trop bon. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, mettez la cloche, mettez des pouces bleus. Ciao, ciao, à la prochaine vidéo. On vous aime très fort.